Alors, je travaille sur la morphogénèse. La morphogénèse, c'est la question ancienne de qu'est-ce qui fait que la matière vivante a une forme. La matière est informée, la matière vivante est organisée. On parle d'organisme vivant. C'est quelque chose qui a été observé depuis toujours. Hein. Les Grecs, Aristote, avaient noté ce point. Et tous les siècles passés ont été parmi les scientifiques, à l'époque, les philosophes et les scientifiques étaient les mêmes personnes. Hein. Les gens qui s'interrogeaient sur la nature du monde, son organisation, se sont naturellement interrogés sur la spécificité du vivant. Et c'était une longue quête hein, qui a commencé à trouver des réponses plus décisives au XXe siècle. Mais les grands concepts ont été établis petit à petit. Et l'une des choses que les scientifiques essayaient d'expliquer, ce dont ils essayaient de rendre compte, c'était justement le fait que la matière vivante est organisée d'une façon singulière. Et donc finalement, en m'intéressant à la morphogénèse, en faisant l'objet central de mes recherches, je m'intéresse quelque part à une question la plus fondamentale de tout biologiste, pourquoi la matière vivante est-elle organisée? Et non pas dans un état, pas simplement désorganisé, mais qui n'est pas non plus capable d'évoluer. Parce qu'il y a deux mots clés, donc l'organisation et la dynamique. Parce que certes, autour de nous, on voit de la matière non vivante organisée. Prenons un flocon de neige, que l'on regarde au microscope, un cristal, il est indubitablement organisé. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, des gens comme Buffon parlaient du règne minéral, comme du règne végétal et du règne animal. Ils ne doutaient pas que les cristaux étaient peut-être pas tout à fait vivants comme les animaux et les végétaux, mais ils étaient organisés. Ce qui fait la singularité du vivant, c'est aussi sa dynamique. Voilà. Donc on a deux concepts clés à tenir, le concept d'organisation et le concept de dynamique. Alors, l'organisation, donc, c'est un état de fait à toutes les échelles du vivant, et au fur et à mesure que les scientifiques se sont dotés d'équipements pour étudier la matière vivante, avec des microscopes de plus en plus puissants. Les premiers microscopes, en gros, c'est au XVIIe siècle, avec Leeuwenhoek, aux Pays-Bas, puis, et à peu près à la même époque, Hooke, en Angleterre, ont donc découvert les premières cellules. Puis après, à la fin du XIXe siècle, on a découvert dans les cellules, les chromosomes notamment. La théorie chromosomique de l'hérédité est advenue à la fin du XIXe siècle quand on a pu observer la ségrégation des chromosomes, vu qu'il s'est associé à des défauts de développement embryonnaire chez l'oursin avec Théodore Beuvry. Bref, les microscopes ont révélé une organisation de plus en plus complexe jusqu'à l'échelle des molécules. Les molécules que l'on peut maintenant observer avec des microscopes nouveaux. Donc finalement, aujourd'hui, la microscopie nous permet de regarder des organismes entiers, leurs organes, leurs tissus, leurs cellules, leurs molécules, et à tous les niveaux, on voit que la matière vivante est organisée. Donc ce n'est pas simplement une organisation extérieure, évidente, c'est une organisation à toutes les échelles. Ça, c'est un premier point assez remarquable. Et puis la deuxième chose qu'ont révélé les scientifiques en étudiant la matière vivante, c'est de voir qu'elle était organisée d'une façon singulière. Elle n'était pas comme un cristal qui était certes organisé mais statique, ou certes il pouvait évoluer, il pouvait croître, un cristal a une certaine évolution, mais il n'y a pas de dynamique interne qui permet à tous les composants de se renouveler en permanence. Prenons un organisme humain, à l'exception de ses cellules neuronales qui perdurent pendant une grande partie de sa vie, voire toute sa vie, toutes les autres cellules se renouvellent. Les cellules de l'intestin se renouvellent en quelques jours. Si l'on regarde une structure à l'intérieur des cellules, à l'exception de l'ADN qui se divise, certes, qui se duplique à chaque cycle cellulaire, toutes les autres structures, en fait, se renouvellent en quelques minutes, ou même parfois secondes. Donc finalement, on parle de structures qui n'ont pas stables, mais de structures stationnaires. C'est-à-dire que la forme perdure, mais la composition se renouvelle en permanence. Et donc ça, c'est une caractéristique très singulière du vivant. C'est un état stationnaire des formes. On ne peut même pas parler de stabilité des formes. La forme persiste, mais la composition moléculaire se renouvelle en permanence, de quelques secondes à quelques heures, jours ou années, suivant les échelles de temps. Voilà, donc en étudiant la morphogénèse, je m'intéresse à la façon dont la matière vivante produit une structure organisée. Dans le langage de la physique, on dirait comment la matière vivante, finalement, a un niveau d'entropie bas et comment elle le fait en consommant de l'énergie en permanence, parce que sa dynamique a ceci de particulier,
qu'elle vient d'une activité hors d'équilibre localement. C'est une troisième propriété de la matière vivante, c'est que si l'on prend une montagne, par exemple, une montagne, il y a une certaine organisation, ses minéraux à différentes échelles, elle a une certaine forme, on peut reconnaître les structures géologiques, mais elle reste stable sur des échelles de temps très longues. Si l'on regarde des structures comme un ouragan ou un cyclone ou un tourbillon dans l'eau, c'est une structure qui est hors d'équilibre en raison de différences de température, par exemple, aux deux extrémités du système, aux frontières du système. Un cyclone ne peut pas se former si l'océan n'est pas à plus de 26 degrés, par exemple, et puis de l'air très froid en altitude. La matière vivante est hors d'équilibre d'une façon différente, c'est localement, à l'échelle des molécules. Il y a un flux d'énergie, une conversion d'énergie, d'énergie chimique en énergie mécanique, qui maintient le système hors d'équilibre localement. Voilà, donc ce qui tient organisation, dans un sens non pas d'organisation stable, mais d'organisation stationnaire, quelque chose qui persiste, qui perdure, alors que les composants se renouvellent. La dynamique donc, que l'on voit, qui est associée à ce maintien de l'organisation, c'est une propriété de mise hors d'équilibre locale et persistante. Et c'est ça le secret presque du monde vivant, enfin ce qui fait sa singularité par rapport à toute autre structure dans le monde. C'est un mode particulier d'organisation, lequel est intrinsèquement dynamique. Voilà. Et donc le domaine général aujourd'hui qui permet de saisir ces différents concepts, c'est le domaine de la morphogénèse, c'est celui que j'étudie. C'est pour cela que dans mon laboratoire de recherche depuis maintenant plus de 20 ans, et à vrai dire même avant, pendant ma thèse, je me suis intéressé à la morphogénèse, sous différents axes qu'on pourra voir plus tard. Et c'est pour cela aussi que la chaire que j'ai au Collège de France, dynamique du vivant, en fait, c'est une façon un peu synthétique de saisir ces différents concepts en un, en parlant de dynamique avec un S pour rendre compte du fait que la dynamique ou les dynamiques sont aux différentes échelles, hein, de la molécule aux cellules et aux tissus ou même aux organismes. Alors, dans les structures vivantes, dès lors que l'on commence à les étudier de près, on voit des structures dynamiques. Donc les structures dynamiques du vivant sont remarquables, et lorsqu'on commence à les analyser de façon plus quantitative, avec les moyens qu'offre la microscopie, et puis les moyens d'analyse qu'offrent à la fois les sciences computationnelles et puis les mathématiques, on commence à voir maintenant des structures qui sont très organisées d'un point de vue même mathématique. On voit par exemple des dynamiques cycliques, ou au contraire stationnaires, des dynamiques de bistabilité ou de multistabilité dans les systèmes. Donc on voit clairement que les systèmes sont à l'échelle moléculaire habités par des fluctuations stochastiques incessantes, mais que lorsqu'on commence à voir les moyennages statistiques à de plus grandes échelles, l'échelle collective des molécules, on voit des comportements à des échelles donc intermédiaires, mésoscopiques, qui sont régulières. Voilà, donc par exemple des structures oscillantes. Le cycle cellulaire, le cycle circadien, mais le cycle d'activité biochimique dans de nombreuses cellules. Nous étudions dans le laboratoire, en étudiant la forme des cellules, on se rend compte que certaines cellules ont des fluctuations de forme qui ne sont pas du tout aléatoires, qui sont par exemple sinon cycliques, en tout cas qui connaissent des oscillations temporelles. D'autres sont en fait des modifications abruptes d'activité, un peu comme un pic qui redescend et puis un autre apparaît ensuite. Donc on voit en fait des motifs spatio-temporels complexes. Donc dans les motifs temporels, on va voir les structures cycliques, des structures en cercle limite où en fait le système va progressivement converger vers un état en fait cyclique de plein de ses composants, ou alors des évolutions vers un état stationnaire pendant très longtemps, ou alors des activités intermittentes qui ne sont pas du tout aléatoires, qui peuvent se caractériser selon certaines fréquences, etc. Et puis dans le domaine de l'espace maintenant, on voit des motifs spatiaux tout à fait remarquables. On n'est pas dans une distribution aléatoire des molécules ou même des cellules, on voit des motifs spatiaux apparaître. Un exemple célèbre, ce sont les motifs de Turing. Motifs de Turing, donc le grand mathématicien, en 1952, a publié un article, un de ses derniers articles, dans lequel qui s'appelle les bases chimiques de la morphogénèse. En fait, en utilisant un formalisme mathématique assez simple, il montre que des structures spatiales et temporelles peuvent émerger dès lors que des réactions chimiques se produisent
et si on prend en compte leur capacité de diffusion. Notamment que des activateurs et des inhibiteurs peuvent avoir des diffusions différentes. À ce moment-là, on peut avoir localement une amplification d'une fluctuation et une extinction d'autres fluctuations distantes. De sorte que localement, une activité va émerger et dominer sur l'activité de l'inhibiteur, et puis l'inhibition va en fait empêcher d'autres activités à distance. Donc on va avoir des motifs, ce qu'on appelle les motifs de Turing, qui apparaissent. Alors l'article initial de Turing présente de façon très générale et conceptuelle les différents types de motifs ou d'instabilité spatiale et temporelle qui sont possibles. L'histoire de la biologie, la façon dont finalement le travail de Turing a été réapproprié et analysé d'un point de vue biologique, a vu dans les décennies qui ont suivi, dans les années 70 et puis encore après dans les années 80-90, la focalisation sur un certain type d'instabilité de Turing dans lesquels on a en gros un ensemble d'activateurs et d'inhibiteurs. Alors dans la forme la plus simple, on va avoir un activateur qui induit son propre inhibiteur et il y a un phénomène d'activation locale par auto-amplification de l'activateur. Et puis l'inhibiteur, lui, en fait, il va avoir cette singularité, c'est qu'il ne va pas diffuser, il va diffuser plus que l'inhibiteur, de telle sorte que, en fait, au lieu de s'accumuler localement, il va partir loin. Il va donc empêcher d'autres activités à distance et il va permettre à l'activateur qui diffuse moins, lui, de pouvoir s'amplifier plus. Donc, il y a un effet de compétition entre deux activités chimiques qui, via la diffusion différente, va permettre un motif d'apparaître. Donc, par exemple, l'illustration concrète de ces motifs de Turing, ça va être les motifs de pigmentation à la surface des animaux, les couleurs des poissons, les couleurs des pelages, mais également des activités chimiques plus secrètes, en sens où il faut des microscopes pour les observer dans les cellules, dans les ensembles de cellules. Voilà, donc Turing est vraiment un exemple de structure de mathématicien qui, en utilisant le formalisme des mathématiques, assez simple au demeurant, a permis de montrer que l'on pouvait former des structures complexes, des structures de l'organisation, à partir de choses relativement élémentaires, d'interactions assez simples entre un nombre limité de composants. Et voilà une bonne illustration de comment l'organisation émerge de règles locales assez simples. On les appelle plus généralement des structures auto-organisées, en ce sens qu'elles ne nécessitent pas une information de départ qui pré-organise ou influence ou biaise le système. On part d'une soupe de molécules qui sont distribuées de façon uniforme, de façon homogène, isotrope dans l'espace, et les règles locales d'interaction font émerger des motifs. Donc c'est très très curieux parce que l'on voit tout d'un coup, par exemple, des taches apparaître ou des bandes apparaître, la matière s'organise d'elle-même. Voilà. Donc ça, cet article de Turing nous a révélé. Et on le voit dans les systèmes chimiques élémentaires, pas forcément vivants, hein. Notamment ce qu'on appelle les instabilités de Belousov-Zabotinsky, qui ont montré en fait ce type d'instabilité chimique se produire. Mais en biologie, c'est quelque chose qui se produit assez naturellement. Je vais donner trois exemples de phénomènes cycliques. Donc sur les phénomènes cycliques, on peut les voir vraiment à différentes échelles. Le premier exemple, le plus universel, c'est le cycle cellulaire. Voilà, on sait que pour que la vie demeure, il faut que les cellules puissent transmettre leur matériel génétique. Elles vont donc le dupliquer et le répartir dans deux cellules identiques. Et donc cela nécessite un phénomène cyclique de duplication de l'ADN, de séparation de l'ADN, etc., etc. Donc ce phénomène dure depuis 3,48 milliards d'années, lorsque les premières cellules, qu'on peut voir dans des traces fossiles très très anciennes, dans ce qu'on appelle les stromatolites, les cellules existaient déjà alors, et depuis elles se divisent sans cesse, les bactéries, puis les cellules eucaryotes, les cellules qui ont un noyau, comme les cellules humaines, qui sont apparues de l'ordre d'il y a à peu près 1 milliard d'années. Et donc ce phénomène de division cellulaire est cyclique, il peut se produire en à peine une heure ou moins d'une heure chez une bactérie, et puis 24 heures dans les cellules qui se divisent très lentement chez l'homme. Voilà, mais typiquement, cette activité cyclique vient d'activités cycliques de molécules qui interagissent entre elles et forment un oscillateur chimique. Un autre exemple remarquable, c'est à l'échelle d'un ensemble de cellules. Au cours du développement, on sait par exemple que les vertébrés ont des vertèbres, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de structures segmentées et d'autres organismes, même invertébrés, ont aussi des segments. Même la plupart, une grande partie des invertébrés ont des segments. Or, ces segments, dans la plupart des cas, se forment par un phénomène d'oscillation collective de cellules qui va se manifester sous la forme d'activités cycliques ou oscillantes de communication intercellulaire. D'ailleurs, parmi les découvertes de ce phénomène, c'est fait à Marseille, dans les laboratoires de l'Institut auquel j'appartiens, l'IBDM, par Olivier Pourquier et ses collègues à la fin des années 90, en 97 je crois.
c'est un bon exemple en fait de découverte d'un phénomène oscillant chimique qui avait été prédit d'ailleurs par d'un point de vue théorique par des mathématiciens dans les années 70, Zeeman et Cook, et en fait qui avaient prédit en fait en se fondant sur la théorie des catastrophes l'idée d'une segmentation en utilisant ce qu'on appelle le clock and wavefront model, c'est-à-dire un phénomène cyclique dont je parle à l'instant, et également l'idée d'un espèce de gradient spatial d'activité qui interagit avec ce phénomène cyclique pour produire en fait une structure périodique dans l'espace. Donc comment le temps se transforme en espace. À une échelle encore plus macroscopique, on connaît par exemple le fait que, je vais donner un exemple, les cigales sortent toutes les quelques années, d'autres tous les 17 ans, tous les 19 ans dans certains endroits aux États-Unis. Donc il y a des phénomènes naturels qui sont beaucoup plus longs, et il y a les phénomènes qui sont entraînés par les rythmes naturels, le soleil, etc. Au printemps, on le voit de façon très caractéristique. Donc la matière vivante a une capacité à former des phénomènes cycliques d'elle-même, et ces phénomènes cycliques peuvent être eux-mêmes entraînés par des phénomènes naturels, eux-mêmes de nature cyclique, notamment les phénomènes climatiques. Alors, les relations entre les mathématiques et la biologie sont, à vrai dire, anciennes, mais elles ont connu des évolutions intéressantes. Par exemple, si on prend Leibniz, co-découvreur du calcul différentiel avec Newton à la fin du XVIIe siècle, et aussi quelqu'un qui a conceptualisé la dynamique du vivant. Il a eu cette intuition que, même si c'était dans un mode, dans une conception du vivant qui était... qui n'était pas matérialiste. C'est un concept métaphysique, mais l'idée, c'est qu'il y avait un principe fondamental de la dynamique du vivant qui ne venait pas de l'extérieur, contrairement à ce que pensait l'école de Galilée et de Descartes, dans lesquelles la dynamique du vivant, c'était un peu comme une voiture où, en fait, on consomme de l'énergie qui traverse la matière vivante et la met en mouvement. Descartes, mis à part le cerveau, un animal, c'était une machine, comme une voiture, et le corps humain en dehors du cerveau était une machine. À partir de Leibniz, la matière vivante est vue non pas comme une machine, mais comme quelque chose qui a un principe intrinsèque de dynamique. Le principe fondamental de la dynamique du vivant pour Leibniz, c'est la force. Quelque chose qui est un concept très fondamental, comme s'il y avait des particules, non pas au sens matérialiste du terme, mais un principe fondamental à une échelle microscopique qui, en fait, confère la dynamique du vivant. Donc, un penseur du vivant très très important, et en même temps, un mathématicien tout à fait génial. Donc, autrefois, c'est un exemple, et il y en a d'autres, on pouvait être mathématicien et étudier le vivant. Et puis, cela a continué pendant un certain temps. Mais il est vrai qu'il y a eu une évolution assez décisive au XXe siècle. À la fois, la matière vivante et les grandes questions qui demeuraient ouvertes au début du XXe siècle ont trouvé des réponses décisives au XXe siècle, lorsqu'on a découvert les fondements chimiques de l'organisation de la dynamique du vivant, notamment les lois de l'hérédité, une explication moléculaire de l'évolution darwinienne, etc., etc. La découverte des gènes, du flux d'informations génétiques, de sa traduction en protéines, etc. Et en fait, cet ancrage de la biologie dans la chimie au XXe siècle, qui est absolument décisive, il y a eu un nombre très très important de prix Nobel comme on le sait au XXe siècle, qui ont en fait émaillé en fait et reconnu ces découvertes fondamentales, ont à certains égards comme sorti la biologie de l'environnement naturel dans lequel elle était étudiée dans les siècles précédents, c'est-à-dire un environnement physique et notamment sa traduction en langage mathématique. On doit bien sûr à des gens comme Galilée le fait que la nature était écrite en langage mathématique. Leibniz suivait la même notion, Newton, etc. Donc, pendant longtemps, en fait, les scientifiques ont pensé, prenant l'exemple de Buffon, qui essayait d'expliquer la matière vivante en utilisant les concepts qui venaient de la loi de gravitation. Buffon cherchait, au XVIIIe siècle, l'équivalent des forces de gravitation qui mettaient en mouvement la matière vivante, ce qu'il appelait les forces pénétrantes, etc. Et même s'il était loin d'une compréhension véritablement chimique, comme on l'a eu au XXe siècle, il y avait quand même les prémices d'une explication vraiment matérialiste, avec des particules qui étaient ni des cellules ni des molécules, comme on les appellerait aujourd'hui, mais qui étaient en fait un principe local matérialiste qui est associé à des forces. Voilà. Donc c'est vraiment au XXe siècle, curieusement, au moment où on a eu les meilleures explications fondamentales chimiques du vivant, que finalement il y a des générations entières de biologistes
ont en fait oublié les mathématiques et la physique. Et finalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est vraiment dans un siècle décisif dans lequel nombre de physiciens formés à la physique statistique, à la matière physique de la matière condensée, matière molle, se sont petit à petit intéressés à cette matière tout à fait singulière dans l'univers que l'on connaît, qui est la matière vivante, et ont commencé en fait à l'étudier, à travailler avec des biologistes. Donc aujourd'hui, dans les laboratoires que vous voyez dans le bâtiment à côté, il y a des physiciens théoriciens, des physiciens expérimentaux, des biologistes, et lorsque ces gens travaillent ensemble, ils font des expériences, analysent les données, construisent des modèles, voient comment les modèles permettent d'expliquer les données expérimentales dans un aller-retour permanent. Or, le langage qui permet de formuler ces modèles physiques ou physico-chimiques de la matière vivante, le langage est mathématique. Donc on en est toujours à l'état où finalement les grands scientifiques de la Renaissance étaient, à savoir Galilée, puis plus tard au XVIIe siècle, Leibniz en particulier, et bien sûr après, le langage des mathématiques et le langage de la nature, celui que l'on peut utiliser pour expliquer le comportement, certes extrêmement complexe, de la matière vivante. Donc les mathématiques demeurent toujours essentielles. Maintenant, il y a un autre niveau, c'est que certes le monde vivant est très complexe, mais la tâche du scientifique, qu'il soit biologiste expérimental, qu'il soit physicien ou mathématicien, c'est d'accéder à un niveau d'abstraction conceptuelle pour réduire la complexité du vivant dans un modèle plus simple, plus économe, mais qui a un pouvoir prédictif. Si le modèle est trop simple, il ne va pas arriver à être assez prédictif. Mais s'il est trop complexe, il ne va pas pouvoir non plus permettre une compréhension suffisamment efficace du vivant. Donc il y a toujours cette espèce d'entre-deux, entre ni être trop complexe, avec trop de paramètres par exemple, ni être trop simpliste. Et c'est le dialogue permanent entre biologistes, physiciens et mathématiciens qui permet de mener ce travail. Et aujourd'hui, les contributions des mathématiciens sont à deux niveaux. Il y a tout le domaine des mathématiques appliquées qui permettent d'étudier la complexité des données biologiques qui se sont dans des espaces de très très grande dimension, l'espace des gènes, des activités chimiques, dans l'espace et le temps. Donc là, on a des espaces qui sont à plusieurs milliers de dimensions et comment finalement comprendre cet espace. Donc là, il y a des approches mathématiques et informatiques très importantes qui permettent d'étudier ces données qui, maintenant, ne sont pas compréhensibles par elles-mêmes. Et puis qui permettent de faire l'interface avec les modèles mathématiques que les physiciens utilisent pour prédire le comportement de la matière vivante. Et par exemple, si on prend ces équations-là, on a des équations de la mécanique qui expliquent certes comment les contraintes physiques opèrent dans des cellules ou dans un embryon, et puis également les équations dynamiques de la diffusion, du transport et des réactions chimiques qui opèrent dans chaque cellule à différentes échelles. Donc c'est pour ça qu'on utilise le langage mathématique pour illustrer tous ces concepts, toutes ces notions, tous ces phénomènes qui se produisent dans les cellules. Alors, moi, je suis né dans une petite ville de campagne. Le jardin de mes parents était entouré par des friches, plusieurs hectares. Donc, c'est vrai que moi, je suis né à la campagne, comme beaucoup. Je pense que quand j'étais enfant, et pendant longtemps, toute mon enfance, jusqu'à ce que je quitte mes parents à 18 ans pour faire mes études, en fait, j'étais dans la nature et j'étais en fait fondamentalement naturaliste. J'aimais la biologie en tant qu'elle, je pouvais l'admirer, comprendre sa complexité, enfin observer sa complexité avec une dimension esthétique très très importante. Et en même temps, je n'étais pas dans j'étais dans une quête de compréhension, mais celle-ci était totalement déconnectée de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique, notamment la méthode expérimentale. Ce côté naturaliste me menait à observer les plantes, les animaux, leurs interactions. Donc en fait, j'étais très naturaliste dans le sens où von Humboldt, par exemple, qui a vraiment étudié la nature d'une façon très importante à la fin du 18e, début du 19e siècle, de comprendre les interdépendances entre climat, géologie, le monde végétal et le monde animal. Et ça, cela fait que quand je me promène, j'ai un œil sur la nature qui est...
qui est différent de celui que j'observe chez la plupart de mes collègues, y compris scientifiques. Et puis après, voilà, j'ai grandi, j'ai fait des études, j'aimais les mathématiques, la physique et la chimie. C'est même plutôt ça qui m'a animé. J'ai fait des études en classe préparatoire, dit SUP, SP bio, dans lesquelles on faisait un peu de tout, de la biologie, chimie, physique et mathématiques. À vrai dire, la biologie, je n'étais pas un bon élève, c'était plutôt un exercice de synthèse, un peu comme un cours, on devait faire une synthèse de connaissances avec des mots-clés qui devaient sortir, et je n'étais pas forcément très doué pour ça. Mais je préférais de loin les mathématiques, la physique et la chimie. Donc le domaine du vivant m'intéressait, mais je n'aimais pas les études de la biologie. Je n'étais pas un bon élève ni au lycée, ni en classe préparatoire en biologie. Mais l'ensemble m'a permis de rentrer dans Malsup, et là, à ma grande stupéfaction, on oubliait maths, physique, chimie. On était au magistère de biologie où on devait étudier la biologie d'une façon qui, moi, ne m'intéressait pas vraiment. Voilà. Et donc, c'est dans les laboratoires de recherche, en particulier à New York, au début des années 90, que je suis enfin tombé dans un environnement dans lequel la passion que j'avais pour la nature s'était transformée, était passée à une autre échelle. Au lieu d'observer les fleurs et les papillons, j'observais finalement les molécules, leurs activités dans les cellules, dans les embryons de drosophiles. Et avec cela, on utilisait les concepts de la chimie, de la physique et des mathématiques que j'avais étudiés en classe préparatoire. Donc tout d'un coup, les choses devenaient se réunifier. Et ça a été le point de départ de toute ma formation scientifique jusqu'à ce jour. Mais cela dit, aujourd'hui, j'observe qu'il y a comme deux voies parallèles en moi qui ne se parlent pas. La première, c'est la voie naturaliste, et c'est à la voie aussi bien VOIE que VOIX, c'est-à-dire en moi quelqu'un qui parle et qui s'intéresse à la nature dans ce qu'elle a d'extraordinaire, et aujourd'hui les questions d'environnement me préoccupent, et voilà, donc il y a une préoccupation réelle. Et de l'autre, il y a la voie des sciences expérimentales et des sciences théoriques, la physique et les mathématiques, qui sont les activités de mon laboratoire, mes cours au Collège de France et à l'université ici, à Aix-Marseille Université. Mais finalement, je me rends compte que ce naturaliste et ce scientifique ne parlent pas. En tout cas, il n'y a pas d'unification entre les deux aujourd'hui. Et j'espère que dans les années qui viendront, je trouverai des lieux particuliers pour essayer de rendre cohérentes ces deux centres d'intérêt. Donc, il y a donc une passion ancienne pour la biologie, mais qui a connu des formes différentes. Et aujourd'hui, j'ai le constat de ces deux passions différentes de la biologie, lesquelles, j'espère, un jour pourront se rencontrer d'une façon qui sera encore plus enthousiasmante. Bah, par exemple, pour quelqu'un qui étudie les formes, on étudie des organismes modèles. Donc, moi, j'étudie depuis le début des années 90, avant même ma thèse, puis pendant mon postdoc à Princeton, puis à Marseille, dans mon laboratoire de recherche, la drosophile, une petite mouche qui, tous ses composants moléculaires les plus fondamentaux, ceux qui gouvernent sa mécanique, sa chimie et sa géométrie, qui sont en fait conservés chez l'homme. Les molécules sur lesquelles on travaille sont toutes conservées chez l'homme. Donc, mais c'est un organisme beaucoup plus simple, que l'on peut observer par des techniques de microscopie extrêmement avancées, quantitatives. Donc, ces modèles expérimentaux sont très, très importants. Mais ce sont des modèles singuliers. Et finalement, la diversité du vivant est un peu perdue dès lors que l'on s'intéresse qu'à un type d'organisme. Et donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent à des questions évolutives ou autres, qui étudient de plus en plus des organismes divers et variés. Je vais vous donner un exemple. Il y a un scientifique à Stanford qui s'appelle Manu Prakash, qui a mis en place ce microscope origami qui coûte quelques dollars et qui se plie avec une petite lentille et qui permet à des enfants du monde entier, maintenant des millions et des millions, d'observer n'importe quoi avec un grossissement tout à fait suffisant pour observer des organismes unicellulaires, que ce soit des planctons dans la mer, des micro-algues dans l'eau ou sur des fruits ou je ne sais quoi. Et donc, un certain nombre de projets de recherche dans son laboratoire sont nés de l'observation de bestioles, appelons-les comme ça, ou de cellules, sorties de nulle part, ou alors connues, mais pas étudiées, et qu'il a commandé à étudier dans son laboratoire avec les méthodes scientifiques. Une autre personne, Nicole King, à l'université de Berkeley, qui étudie l'origine de la multicellularité des animaux, et qui étudie les coanoflagellés, des organismes unicellulaires, eucaryotes, c'est-à-dire qui ont des noyaux, mais parfois qui forment des colonies transitoires, donc de façon transitoire, pluricellulaire, qu'on essaye la multicellularité avant qu'elle soit vraiment instaurée, qui ont un ancêtre commun avec nous il y a à peu près 600 millions d'années au minimum. Eh bien, dans
ces organismes-là, certains organismes de laboratoire, viennent d'observations au bord de la mer, dans des îles tropicales ou dans des lacs, etc. Donc finalement, aujourd'hui, il y a presque une invitation à aller chercher des animaux là où on ne les cherche pas, là où on ne les observe pas, et d'en faire des objets d'études. Donc finalement, il n'est pas impossible que dans les décennies qui viennent, on voit en fait une expansion en fait des méthodes d'investigation expérimentale telles qu'on les mène aujourd'hui sur des organismes modèles, à des organismes divers et variés, et qui permettra d'expliquer la diversité d'abord la diversité du monde vivant, animal et végétal, mais également procaryotes, les bactéries, les champignons, donc d'avoir une connaissance plus approfondie de différentes formes du vivant, et ce faisant, d'avoir une meilleure compréhension des écosystèmes. Donc il n'est pas impossible que dans... j'ai 50 ans, dans 20 ans, je serai à la retraite du Collège de France, que j'ai encore de quoi pouvoir finalement voir s'accomplir ce rêve d'étudier d'autres formes qui seront une source d'inspiration. On ne peut pas forcément le prévoir et donc on verra bien. Alors je me souviens d'une étape particulière. En fait, même si toutes nos recherches partent d'hypothèses, d'un schéma qu'on va dire hypothético-déductif, hein, on a des hypothèses, on a des grandes questions et on essaie de réfléchir aux différentes hypothèses qui expliqueraient ce phénomène et de comment les tester. La vérité, c'est que les découvertes qui se sont révélées les plus importantes, les plus fécondes, sont celles qui sont venues dans ce contexte, mais un peu comme des surprises, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Mais il faut être préparé par un cadre hypothético-déductif, donc conceptualisé, pour savoir se laisser surprendre. Si on n'est pas préparé, on ne fait pas la différence entre ce qui est surprenant et ce qui ne l'est pas parce que c'est attendu. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. Toujours est-il que dans ce cadre-là, je me souviens très bien de moments où j'observais, c'était moi-même dans le laboratoire, dans les années 2003, j'observais dans le laboratoire des embryons qui, comme celui-ci en fait, et comme dans tous les embryons, c'est un tissu qui s'allonge. Comment un tissu s'allonge ? Ben, les cellules, comme une foule de personnes, changent leur position les unes par rapport aux autres pour finalement faire que le même nombre de cellules se répartissent dans l'espace différemment, plus en longueur et moins en épaisseur. Et en fait, ces cellules avaient une caractéristique, c'est qu'elles collent fortement les unes aux autres. Donc on se demandait, mais comment peuvent-elles bouger si elles collent ? Et finalement, l'observation fine de ces cellules a montré un phénomène non pas de changement de forme des cellules, mais de transition de la topologie des interfaces que l'on peut caractériser, que je ne vais pas pouvoir dessiner, mais qui se passe dans cet embryon ici et qui est très esthétique, très beau. Donc finalement, un phénomène macroscopique complexe pouvait se réduire à une évolution de la topologie des interfaces cellulaires. Et c'est ce phénomène que l'on voit ici, où en fait, on a pu montrer après que c'était la tension, la contractilité des cellules qui en fait induisait ce changement de transition topologique. Donc on avait quelque chose d'un point de vue phénoménologique qui mathématiquement même était très, très beau, très simple, et qui avait une explication physique a priori assez simple, c'est que c'était une tension intercellulaire qui en était l'origine. Et c'est vrai que ce moment a été assez décisif, parce que outre qu'il a ouvert plusieurs décennies de recherche dans mon labo, presque 20 ans, il a aussi montré que la tension avait un rôle très très général dans la morphogenèse, bien au-delà de ce qu'on pensait. Et puis surtout, il y avait une dimension esthétique, c'est-à-dire que c'est de voir qu'un phénomène très complexe pouvait se réduire à une transformation géométrique, ou en l'occurrence plus la topologie des interfaces, qui était très simple, très belle, avec une direction dans le temps. Le phénomène était irréversible. Il était aussi polarisé dans l'espace, au sens où, comme on le voit ici, ce qui était dynamique, ce sont les interfaces verticales et non pas les autres. Donc il y avait une information d'espace, une information de temps. Qu'est-ce qui en était à l'origine ? Ce phénomène observé a été à un moment de petite eureka à notre échelle, mais qui a été vraiment un moment particulièrement important. Je m'en souviens tout à fait. J'ai commencé à travailler avec des physiciens de façon très concrète quand mon collègue maintenant à l'Institut de biologie du développement, Pierre-François Laine, m'a contacté. On venait de publier un article justement sur ces phénomènes de transition topologique dans les cellules qui s'apparentaient à des transitions telles qu'on les voit dans les mousses. Et lui, comme physicien, même s'il étudiait d'autres phénomènes, était intéressé par comment mesurer les forces entre cellules. Par exemple, là, on voit l'idée qu'il y avait des tensions plus fortes. Est-ce qu'on peut casser ces structures avec des lasers, voir la vitesse de relaxation et en inférer les forces ?
Donc on a travaillé ensemble et se sont en suivi des années de collaboration très fructueuses et vraiment formidables. Et j'ai passé une année sabbatique en Inde en 2011 où j'ai travaillé avec un physicien théoricien et un biologiste cellulaire, Madan Rao Jetumayor, à Bangalore. Et de là, de ce travail avec eux, de ces collaborations et du temps qui m'était offert pour réfléchir un peu à comment je voulais voir évoluer le contexte de nos recherches, je me suis dit, mais en revenant à Marseille, il va falloir progressivement mettre en place un environnement, un écosystème de recherche interdisciplinaire qui ne seront pas simplement mon équipe et celle de Pierre-François Laine, mais d'autres collègues qui peut-être cherchent sans savoir ce genre d'environnement. Donc, avec l'aide de l'argent apporté par le programme d'investissement d'avenir, hein, le PIA, on a répondu à des appels d'offres et pu lever des sommes d'argent assez importantes, hein, sous différentes formes, d'abord en 2012, puis en 2016, qui a créé en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre Turing des systèmes vivants, qui en fait est un centre interdisciplinaire dans lequel les biologistes, dans des domaines assez différents, biologie cellulaire, biologie du développement, microbiologie, mais également neurosciences et immunologie, en fait attirent des gens des sciences théoriques, donc des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens ou des bioinformaticiens, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt dans le domaine de l'analyse des grandes données, notamment de génomique ou d'activité chimique, ou alors dans le domaine de l'imagerie. Bref, ces gens des sciences théoriques, on les attirerait pour travailler avec les biologistes. Nous étions comme le miel qui attire ou comme les fleurs qui attirent les abeilles. Et donc, nous avons mis en place des outils de financement et puis surtout de quoi faire vivre cette communauté. Donc, le Centre Turing des systèmes vivants, c'est un centre interdisciplinaire pour étudier la complexité des vivants. Et pourquoi a-t-on besoin des sciences théoriques ? Pour précisément toutes les choses dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que la complexité du vivant appelle des approches théoriques pour modéliser, analyser, quantifier, comprendre les données biologiques. Et aujourd'hui, on a différents types de programmes qui recrutent des chercheurs, qui vont créer des équipes, lesquelles se sont installées dans le centre de physique théorique, un institut de mathématiques, au laboratoire informatique et systèmes, au CINAM. Et puis, ils collaborent avec les biologistes dans différents instituts sur le campus et un peu ailleurs. Donc, on recrute des étudiants, on recrute des post-docs, et puis on crée aussi une plateforme de multi-ingénierie, où ce n'est pas simplement des chercheurs dans les laboratoires que l'on recrute, mais aussi des gens qui sont là pour développer des nouveaux appareils, des technologies, notamment dans le domaine de l'imagerie, ou alors dans l'analyse des données biologiques, notamment par des approches informatiques, deep learning, machine learning, etc., et qui, d'intelligence artificielle, et qui sont maintenant au service de la communauté biologique pour répondre aux grands enjeux de la recherche interdisciplinaire. Donc le Centre Turing, en fait, réalise à la fois cette rencontre entre sciences théoriques et sciences expérimentales, et rencontre entre domaines de la recherche académique et domaines de l'ingénierie, qui, malheureusement, en France, est parfois repoussé dans le domaine de l'industrie, et c'est très bien, mais qui n'est pas assez associé, en fait, au tissu de la recherche. Et donc le Centre Turing est vraiment un outil pour une communauté qui œuvre pour en fait franchir ces différentes barrières. On a recruté maintenant plus de 150 personnes et l'Université d'Aix-Marseille nous soutient depuis le début, cofinance ce projet. La fondation Amidex, abritée par Aix-Marseille Université, est cofinanceur du projet et c'est vraiment grâce à eux que nous en sommes là aujourd'hui pour mettre en place cette communauté interdisciplinaire. Nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent et l'écosystème est extrêmement vivant et nous sommes très contents parfois d'avoir des événements organisés au CIRM. Alors ce financement de l'ERC que j'ai eu en 2017, Self-Control, fait référence en fait à un concept très important sur ce qu'on appelle l'information du vivant. L'information du vivant, c'est une espèce un concept générique qui essaie de rendre compte de ce qui justement organise la matière vivante et sa dynamique. Et en gros, il y a trois modules d'information. Un module ancien et connu, la génétique et sa traduction biochimique, mais également la mécanique qui contient une information structurelle ou organisationnelle en elle-même, également géométrique, de nature plus mathématique, mais qui définit un peu les contraintes, l'environnement dans lequel les réactions physico-chimiques se produisent, etc. Donc ces trois modules interagissent entre eux, et il y a en gros deux façons différentes de concevoir les interactions entre ces trois modules d'information. Le premier, on va dire, est un modèle hiérarchique, très top-down, qui dit qu'il y a un certain nombre de données
initiales qui vont influencer d'une façon déterministe tous les événements en aval. Et il n'y a pas de doute que certains processus en biologie relèvent de ce type d'organisation hiérarchique et déterministe, ce qu'on appelle le contrôle déterministe. Et puis de l'autre, il y a des phénomènes, je parlais tout à l'heure de Turing, voilà un très bon exemple, dans lesquels on parle d'auto-organisation, c'est-à-dire que le système n'est pas hiérarchique, il n'y a pas de loi déterminisme et des lois stochastiques, enfin une description stochastique des processus et des régularités statistiques que l'on peut observer. Et donc le système est plus fluctuant et s'auto-organise, au sens où il n'y a pas de conditions initiales organisées pour voir apparaître des structures. Et dans self-control, dans ce projet, en fait ce sont nos recherches qui nous ont conduit naturellement à cela, nous essayons de comprendre dans quelle mesure tout processus biologique de morphogénèse relève d'activités de contrôle déterministe et d'activités auto-organisées avec des phénomènes stochastiques en son sein. Donc c'est dans ce contrôle, dans ce cadre-là qu'on étudie des phénomènes auto-organisés, de vagues d'activation ou d'écoulement de tissus dans l'embryon, dans lesquels on essaye de distinguer la contribution des modules mécaniques, chimiques ou géométriques dans l'embryon. La courbure par exemple, ou le gradient de courbure apporte une information comme une espèce d'hérédité, c'est un peu utilisé comme une forme d'hérédité de l'information que la mère transmet à l'œuf lorsqu'il est pondu et qui en fait va prédéterminer le futur de l'embryon, sa morphogénèse. Pas simplement l'hérédité génétique, il y a une hérédité génétique, une hérédité chimique et une hérédité, on va dire, structurelle ou géométrique qui a la forme de l'œuf. Et cette hérédité forme les conditions initiales ainsi que les conditions aux frontières du système. Le reste, en fait, est aussi mu par des lois d'auto-organisation que l'on caractérise. Voilà, en gros, le grand sujet de ce grand ERC. Mais à vrai dire, c'est même le programme plus général de mon laboratoire dans d'autres domaines que l'embryogenèse, également la formation des neurones, par exemple, d'arbres dendritiques dans des neurones. Et à vrai dire, toutes nos activités de recherche relèvent de ce type d'exploration de l'information, notamment de ses contributions de contrôle déterministe et d'auto-organisation. Alors, dès lors qu'on a goûté à l'interdisciplinarité, en tout cas au dialogue entre biologistes et physiciens, informaticiens et mathématiciens, on ne peut plus s'en passer. Donc pour moi, il est inconcevable que nos recherches puissent ne pas se faire dans ce cadre-là. Je vais même dire, elles vont davantage en fait se développer dans ce cadre-là. Je peux dire que depuis 2015 et pendant une quinzaine d'années, c'était d'abord en fait des collaborations strictes entre biologistes et physiciens. Ce qui est nouveau, quand je vois le profil des étudiants qui viennent dans mon laboratoire, ou même comment les physiciens eux-mêmes abordent les questions de collaboration avec les biologistes, c'est par exemple le fait que maintenant, il y a des gens qui viennent des sciences computationnelles ou des mathématiques appliquées, qui viennent dans les laboratoires. Au Centre Turing, par exemple, parmi les 7 chercheurs qu'on a recrutés, 4 sont des physiciens théoriciens, mais 3 sont des gens de plutôt maths appliquées, informatiques. Du coup, les collaborations reflètent en fait ce type de diversité. Parmi mes 2 derniers étudiants recrutés dans le laboratoire, il y a quelqu'un qui vient plutôt d'un profil maths appliqué, informatique. Mais il collabore avec un physicien théoricien et il est dans mon équipe. Donc on voit bien que les profils sont de plus en plus divers. Donc si je devais parier dans l'avenir, je pense qu'il y aurait un développement encore plus important des liens avec le domaine des mathématiques appliquées et informatique. Quant au sujet de recherche, j'ai du mal à voir au-delà d'un horizon de 5 à 10 ans, mais disons que je vois bien que la question de l'information, ces questions dont on a parlé sur le principe d'organisation, la nature de l'information, arriver à la saisir d'une façon moins qualitative et plus quantitative, comment définir cette information, comment la caractériser selon ses différentes modalités, notamment la modalité de la géométrie, de la mécanique et pas simplement de la biochimie, comme on le fait communément quand on est biologiste. Là, il y a vraiment des enjeux extrêmement vastes et qui vont nous mener, qui vont nous occuper pendant quelques temps. Donc je pense que ce qui va changer, en tout cas très certainement, au moins dans les 5 ans qui viennent, c'est notamment une caractérisation de la géométrie. C'est-à-dire que moi, je parlais communément de biochimie et de physique et de mécanique. Maintenant, je parle de façon résolue de géométrie. C'est dans un certain nombre de mes séminaires de recherche, dans mes cours. Géométrie pour saisir en fait que la géométrie, c'est en gros un concept de forme. Et donc finalement, ce serait presque le produit de la morphogénèse.
Mais cette forme, cette géométrie, aussi bien définit-elle les conditions initiales ou les conditions au bord du système, donc son évolution, mais comme la forme du tissu peut potentiellement et souvent rétroagir sur les activités chimiques et mécaniques, il y a une mise à jour de l'activité mécanochimique des cellules et du tissu par la forme qu'elle contrôle. Et donc le système, en fait, est fait par des boucles de rétroaction dans lesquelles la géométrie définit les conditions initiales et rétroagit sur le système à tout moment. Donc il faut caractériser ces formes. Et c'est là qu'on a besoin d'approches mathématiques et informatiques avancées, parce que certes, un cercle, c'est beau, c'est magnifique, mais que les formes vivantes ne sont pas aussi régulières qu'un cercle. Et il n'y a pas forcément de il y a des grandes symétries, mais il y a aussi des petites dissymétries, il y a des formes, des courbures complexes. Donc comment développer les outils de géométrie différentielle pour caractériser les formes? Par exemple, un système biologique aussi est en croissance. Donc comment on étudie la croissance d'une surface courbe dans l'espace en trois dimensions? Comment caractériser ces formes? Donc là, on a vraiment besoin des collaborations avec les mathématiciens. Et je pense que cela va certainement nous occuper pendant quelques temps. Et je pense que peut-être que dans quelques années, il y aura davantage de mathématiciens dans nos laboratoires qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je finissais un projet de recherche. En tout cas, je travaillais avec des collègues à un projet commun dans lequel il y a un physicien, théoricien, une mathématicienne appliquée, un informaticien et un biologiste. Voilà. Et autrefois, le physicien et le biologiste travaillaient ensemble et ça suffisait. Aujourd'hui, maintenant, on a besoin de mathématiques et informatiques pour travailler avec les biologistes. Et ça, c'est quelque chose qui se voit depuis quelques années, mais qui, à mon avis, va se développer considérablement. Ce qui pose des questions en termes de formation. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, par exemple, qu'est-ce que nous apportons comme formation, comme découverte de la biologie aux étudiants qui aiment les mathématiques ou l'informatique. Force est de constater que, en fait, l'enseignement de la biologie tel qu'il est fait dans les écoles aujourd'hui dénature finalement pour moi la nature. La nature est belle, la nature est complexe, la nature est diverse. Le sens de l'observation n'est plus du tout cultivé. Le sens de la créativité qui vient aussi de l'observation n'est plus cultivé. C'est plutôt le bourrage de crâne avec des connaissances de plus en plus lourdes. On le voit dans les études de médecine, on le voit dans les études de biologie. Et je pense que ça dessèche, je pense que ça n'intéresse pas les gens. On compense la compréhension conceptuelle par une compréhension de détails, de sommes de connaissances, avec une pseudo-démarche scientifique. Je suis assez dur avec les méthodes de l'éducation nationale en termes d'enseignement de la biologie, parce que, un, je les ai en partie subies, deux, je les observe, chez des jeunes, chez mes enfants parfois, et je pense qu'il faut reprendre tout à zéro. Donc c'est un peu radical, et je pense qu'il faut demander à des non-biologistes parfois d'enseigner la biologie, parce qu'ils ont un regard frais et neuf, plus fait d'émerveillement et d'approche plus conceptuelle. Moi, l'enseignement que je fais de la biologie au Collège de France, j'explique la biologie aux physiciens dans la salle et la physique aux biologistes dans la salle. Et cette espèce de croisée, en fait, moi, m'apprend beaucoup. Je suis obligé de beaucoup travailler pour expliquer la physique aux biologistes, surtout quand les physiciens sont là dans la salle, et la biologie aux physiciens, au sens où on doit faire l'économie de toute une série de détails pour arriver au concept, sans non plus faire l'économie des éléments, des molécules, des cellules qui sont nécessaires. Donc ça, je pense que c'est absolument important. Et donc, je pense qu'il y a des enjeux de formation de la biologie nouveaux. Par exemple, pour que les informaticiens et les physiciens viennent à la biologie, dans le centre Turing, nous avons mis en place des nouvelles filières de master dans lesquelles on explique la biologie à des étudiants en maths info. Je participe à ce master Computational Mathematical Biology avec mes collègues notamment de mathématiques comme Florence Hubert, Elisabeth Rémy, qui donc sont mathématiciennes. Et j'ai notamment mis en place un cours avec Florence Hubert dans lequel je pars d'un cours au Collège de France dans lequel on parle des instabilités de Turing, on essaie d'expliquer leur signification biologique. Et puis petit à petit en cours, après Florence Hubert développe le formalisme mathématique, des simulations numériques sur Python pour qu'ils puissent voir à quoi ça sert, entre guillemets. Et à la fin, ils font un petit mémoire. Et ce genre de cours, à mon avis, a plusieurs voies, a l'avantage de peut-être d'être plus complet, d'être plus divers, et de permettre aux étudiants de ne pas être enfermés dans une somme de connaissances qui fait vraiment peur, et même un biologiste comme moi ne m'intéresse pas, d'évoluer vers une compréhension de la biologie plus conceptuelle, qui laisse la place à l'émerveillement, et qui permet aux mathématiciens, aux informaticiens de trouver leur place, de comprendre ce qu'ils peuvent apporter. Et voilà, donc je pense qu'il y a des enjeux d'enseignement pour nourrir, alimenter et faire évoluer cette communauté interdisciplinaire, dès les écoles.
après dans l'université et aussi dans les classes préparatoires, dans les écoles d'ingénieurs, dans tout le corps de formation des écoles vers les études supérieures.